Salut à tous, ici SimpleRap83, bienvenue à l'épisode 20 sur 19, je veux dire, désolé, sur MXGP 2019, on est sur le circuit de Materley Basin. On va essayer de bien courir encore. On va essayer de faire une meilleure course un petit peu, encore, si je peux. J'ai encore oublié de changer la couleur de mon numéro, donc on s'organise pour l'instant avec le bleu. C'est pas si mal. Ça va quand même bien avec la moto, avec le kit gris que j'ai sur le dos. C'est quand même pas si mal. Bon, ça sent pas plus grave qu'il faut non plus. Bon, on commence cette course assez rapidement. On va essayer de bien commencer ça. Et voilà, un excellent départ de ma part. En deuxième position ici. Les concurrents, ils ont quand même un bon départ aussi, là. Essayer de prendre le haut shot. Je n'y arrive pas, c'est pas grave. En cinquième position. J'ai fait un bon départ pourtant. Le concurrent a été meilleur. Bon. Première position déjà ici. Ça commence assez bien cette course. Bon, on va tourner rapidement. Ici. Le concurrent ici est quand même assez proche. On va rapidement ici. Et on va sauter ici sans trop de problème. Pour l'instant, cette course va bien, comme je vous disais. On est en première position déjà après 40 secondes de course. C'est assez bien. J'aime bien cette moto, je trouve qu'elle va vraiment bien. Pas trop de difficultés à courir. Je trouve qu'elle va vraiment bien, elle tourne bien. Elle prend l'accélération rapidement. Bon, un petit saut ici. On ralentit ici un petit peu. On prend la grosse bosse qu'il y avait juste ici. On dépasse ici maintenant le saut. En problème avec une bonne atterrissage ici. On tourne rapidement ici, là. Sans problème, on tourne. Et il ne se passe rien de bien dangereux. Bon, on tourne maintenant ici. Et ça va bien. Le concurrent derrière moi est très près. On va essayer de ne pas faire trop d'erreurs. On est juste en début de course, donc on va attendre de me rattraper si j'en fais une. Bon, un petit whip ici, que je fais bien avec une bonne atterrissage. On tourne rapidement ici. J'ai pris un petit peu tout l'extérieur. C'est pas plus grave. Oui, ça va bien. On perd pas trop de temps dans cette course. J'ai pris un petit peu l'extérieur, j'ai glissé. Mais c'est pas plus grave qu'il faut. Tout est bien, tout va bien quand même. J'ai mis ce circuit, j'ai perdu ma première position. Mais pas pour longtemps. Et en plus, c'est le concurrent avec le numéro que je voulais prendre. Non, c'est pas lui, c'est 84. Là. Bon, on retourne rapidement ici. En deuxième position après ce tour. Bon, ça va quand même assez bien. Continue comme ça. Erling est encore en première position. Je le dépasse ici à la juste après le premier tour. Et on tourne ici en trop de problèmes. Ici un petit peu. Mais c'est pas grave. Je suis encore sur le circuit, donc c'est pas important. On descend rapidement dans cette butte. Quelqu'un derrière moi qui est toujours très près. C'est pas plus grave que ça. Pour l'instant, ça va bien quand même. Bon, on tourne ici. On roule rapidement dans ce bout ici. Bon, on va essayer de prendre la grosse bosse ici comme il faut. C'est ce que je fais. Sans trop de problèmes. Le concurrent s'est éloigné un petit peu maintenant. J'ai pris un petit peu plus d'avance, comme on dit. Pas extrêmement, mais un petit peu plus. Bon, on continue ici. Pour l'instant, ça va assez bien. On va rouler rapidement dans ce saut ici. On prend la grosse butte ici qui se prend assez bien quand même. Bon, petit whip ici. Faut vous faire plaisir. Bon, on tourne rapidement ici. Ça va quand même bien quand même. Bon, on repart à fond ici. J'ai perdu quelques secondes ici. Rapidement ici. J'ai pris les bosses un petit peu plus rapidement que tout à l'heure. Bon, on y va à fond dans ce bout ici. Tourne rapidement ici, ça va bien pour l'instant.
rapidement dans ce virage. On saute ici. Et on tourne sans trop de problème ici. Comme à l'habitude, un petit whip ici. Un petit peu trop extérieur encore. On va jouer sur ce circuit tout de suite. On n'a pas trop de temps quand même à revenir sur ce circuit. Un petit whip ici encore. Oh, j'ai tombé cette fois. C'est une erreur irrécupérable. Je reprends tout de suite ma deuxième position quand même. Pas trop tard. Bon, deux tours à faire maintenant. On va à fond pour rattraper le concurrent devant, qui est Erling. Je vais pouvoir le rattraper dans ce tour. De toute façon, il en reste deux. Je vais finir par le rattraper quand même. On va rapidement dans ce virage ici. Même glissant ce virage quand même. Ça ne paraît pas, mais ça glisse. Bon, on y va rapidement ici. On saute ici sans problème, ça va bien. Bon, on tourne ici, on y va rapidement. On saute encore, je le rattrape ce Erlings. Terre est vraiment bougée ici dans ce tour. Bon, on y va à fond. Je prends ce saut ici assez rapidement. Sans ralentir à peu près. Erlings, il y avait une petite erreur ici. On se court après justement à côté de l'autre. Je prends l'extérieur, un petit peu plus l'extérieur que lui. J'ai pris un petit peu l'extérieur du circuit, c'est pas grave. Je reviens tout de suite avec lui. Il perd trop de temps, il prend beaucoup trop l'extérieur, il tombe. Et on va se ramasser en troisième position. On ne regardera pas cette course cette fois. Bon, on tourne rapidement ici. Je glisse un petit peu, désolé. On tourne ici. Et on est reparti. Erlings qui avait redépassé, mais oh, revient en deuxième position finalement. Il y a beaucoup de dépassements dans ce dernier instant. Bon, un petit saut ici, le deuxième tour est presque complété. C'était une longue course ici quand même, comme vous voyez. Bon, désolé, j'ai glissé totalement. Bon, on tourne rapidement ici. On saute. On tourne ici à une vitesse assez rapide. Avec un petit whip ici. Atterrit sur le circuit cette fois, mais assez loin. Bon, Erling, c'est encore en train de me rattraper. Il est très près, comme vous voyez. Encore, il s'est éloigné, mais il s'est rapproché. Après son accident ici. Oh! Dernier tour maintenant. Et c'est parti. On saute ici. On prend le virage ici. Assez rapidement, quand même. On y va à fond ici. On tourne rapidement ici. Et bien continuer dans ce bout. Bon, maintenant, on y va à fond dans ce virage encore. Le courant qui est encore très près de moi. C'est pour faire d'erreur un petit peu. Comme j'ai pas fait mais même, j'en ai quand même fait une à un moment. J'ai tombé, donc c'est pour faire cette erreur. C'est pas plus grave que ça, même si on est en deuxième position. Ça serait pas si mal. Bon, je vais rapidement dans ce virage. Vous entendez, Bassin, c'était un long circuit, vous voyez. Dans environ 2 minutes 20 pour faire un tour. C'est quand même assez long. Mais c'est pas plus grave qu'il faut non plus. Bon, on se rattrape ici dans ce saut. Bon, on va rapidement ici. On saute ici sans problème, on prend la grosse butte avec une vitesse assez incroyable. On saute ici. Mais ça se tourne vraiment bien là, quand même, comme vous voyez. Là. Dernier tour, c'est un bon tour. Bon, on tourne rapidement ici. Puis c'est un virage très serré. On repart maintenant. Et on saute ici. Contrôler mon joueur. On tourne rapidement ici dans ce virage. Et on continue maintenant cette course qui s'en vient plus de la fin que du début. Point de virage très serré ici. Bon, on tourne rapidement. Ici encore. Oh, pardonnez-moi, j'ai glissé un petit peu. Je vais y tomber, ça n'aura pas été plaisant encore. Au courant qui s'éloigne maintenant. Quand même pas loin, par exemple. Je le laisse faire. On repart ici.
à fond et on saute ici. On tourne rapidement ici. Bon, c'est presque le dernier tour maintenant. On arrive à la pancarte. Ça va être pas le meilleur tour que tout à l'heure. C'est ce qui conclut cette première course au circuit du Materlé Basin. C'est dans ce deuxième championnat et deuxième Grand Prix de cette saison. Bon, maintenant, on va continuer avec la deuxième course. Être bien long avant de débuter, justement. J'essaie de faire ça rapidement. Bon, maintenant, on part avec ça. On va attendre un petit chargement ici. On va aller continuer avec la prochaine course. Ça va pas être vraiment long. On va y aller tout de suite. On va attendre quelques secondes. Faut être quand même patient dans le jeu quand même, c'est quand même assez long. Là. 62% de chargement. On va y aller dans quelques instants, je crois. Là. Voilà, les chargements un petit peu débogués. Et on est sur le point de continuer. Ouais, le chargement est complété ici. Bon, maintenant, on va continuer avec ça, là. Quand même assez long, vous voyez. Je pense qu'il n'y a rien qui presse, parce qu'on serait un petit peu pressé, ce serait long, et... Bon, maintenant, on va rejoindre le circuit pour cette deuxième course sur Materlé Basin. On choisit nos traces ici. Et maintenant, on va y aller à fond. Pour cette deuxième course, on va essayer de faire un meilleur démarrage. Pas si mal, mais il était pas extrême non plus tout à l'heure, donc on va y essayer de faire mieux. Et c'est parti, c'est pas le meilleur décollage là non plus. C'est pas plus grave qu'il faut. Bon. Le premier qui passe au shot, c'est Sewer. Moi je suis en 11e position. Et j'en ai rattrapé quelques-uns ici. Rapidement dans ce virage, je suis maintenant troisième. Keroli qui est deuxième dans cette course. Je le frappe sans vouloir. J'arrive toujours rapidement dans le virage. Bon, je le dépasse dans cette butte, quasiment. Maintenant, oui, par exemple. Ça a l'air d'être un peu ici, Weir en avant, qui est juste ici. Je prends plus l'extérieur un petit peu. Si j'ai pris plus l'intérieur en même temps que j'ai pris l'extérieur juste avant. On saute ici, on prend la butte de tout à l'heure. Attraper un petit peu Sewer ici, je veux dire, désolé. Je tourne rapidement ici, je l'ai dépassé justement. Alors, ça va probablement me redépasser exactement. Et maintenant j'ai pris la pole position pour vrai maintenant. Et voilà. Il est quand même pas très loin non plus. Faut pas se laisser aller non plus. Avec ça. On saute ici. On prend bien la bosse, justement. Bon, ça tourne très. Ça tourne beaucoup ici. Donc, le grand Sewer qui est vraiment pas loin derrière. On va essayer de pas le laisser se rapprocher. Bon, on va rapidement ici. On saute. On tourne ici. On tourne de difficulté. On tourne encore ici. Et premier tour de complété avec un temps de 2,9. C'est un bon temps. C'est pas un temps vraiment un vrai. Les tours, ça va en être un. Et on va essayer de faire à peu près la même chose. Rapidement ici, je vois un petit peu le bord, parce que c'est moins glissant un petit peu, parce que le milieu, c'est glissant quelque peu. On saute ici, oh, j'ai glissé un petit peu. Bon, maintenant, j'arrive dans ce virage. On va essayer de sauter ici sans problème, et voilà. On tourne ici. Le concurrent est plus près, il est quand même près, mais pas trop. On prend la bosse ici, très rapidement. On la prend bien en plus. Prends le coin ici et on tourne rapidement ici. Et
C'est reparti. On tourne ici. On saute. Et c'est parti. On tourne ici sans problème. Et on saute ici. C'est bien fait comme saut quand même. On tourne ici. Encore ici, un virage vraiment, vraiment serré ici. Là. Ouais, dur à croire que c'est serré comme ça. Et je pense un petit peu de vitesse dans ce virage ici. Quand même beaucoup ralenti. Bon, les courses sont vraiment longues ce circuit. Et voilà, un virage très serré ici encore. Pour l'instant, ça va assez bien comme vous voyez. Et on repart. Oh! Pardonnez-moi, j'ai vraiment glissé là. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai trop envoyé descendre, c'est quoi? Accélération, j'ai glissé dans ce virage. C'est quand même bien terminé, j'ai pas tombé, donc on est correct. On saute ici. Saut qui est bien pris. Je tourne ici sans trop de difficulté. Et un deuxième tour de compléter maintenant. Deux tours à faire. Oui, ce circuit est vraiment long. Cet épisode va l'être aussi plus long. Bon, j'ai pris un petit peu trop long ici, là, comme vous avez vu. Bon, je tourne ici. Pardonnez-moi pour ces bruits. On y va à fond dans ce virage, on ralentit pas trop, comme d'habitude. Bon, on tourne rapidement ici, on essaie en tout cas. Bon, on saute ici. On tourne ici en plus. Et on y va rapidement dans ce bout ici. Et on saute. Oh, ça a dérapé un petit peu ici. On saute ici encore. Oh, j'ai trop roulé rapidement ici, donc j'ai tenté de passer tout droit. Si continue comme ça. Bon, refaire d'erreur comme tout à l'heure. Je vais prendre la grosse butte ici. Que j'aime bien prendre. On va très haut avec ça. Mais c'est haut ici aussi. On tourne rapidement. Et là, je glisse un petit peu. Pas mal, je veux dire. Je vais y avoir ce qui est coupé. Bon, j'ai une meilleure combat. Avance que la première course. L'avance plus confortable. Tourne ici. Oh, j'ai vraiment glissé dans ce virage. Bon, on va essayer de sauter ici. Sans trop de problème, on y arrive. Bon, c'est tourné ici. Ça dérape vraiment beaucoup là. Bon, on tourne, je suis en train de glisser justement. On saute ici. On tourne rapidement ici. Troisième tour est presque complété. J'ai eu un accident ici, ça va mal. Et je suis encore quand même en avance. Pas si mal que ça dans le fond. Juste ici, un autre virage, une autre tour de complété. Dernier tour à faire maintenant. On débute ça tout de suite. On saute ici. Ça va assez bien encore là. Un petit accident, mais tout va bien quand même. On va y aller avec un petit peu de Willy ici. On tourne rapidement ici. Je prends plus le côté gauche ici, c'est moins de. Ça glisse un petit peu moins. Je vais prendre ce virage à une vitesse incroyable que je n'aurais pas dû faire. Bon. Je prends. Ben, oh! Rester juste derrière, j'étais dans sa ligne, donc j'ai pas perdu position du tout. Pas encore en tout cas. Le courant est vraiment très près, il est juste derrière moi là. Je suis encore premier par exemple, j'ai pas perdu ma position. Bon, c'est le dernier tour déjà quand même, ben déjà c'était le temps parce que la course est assez longue comme vous voyez. C'est pas une course de 5 minutes. Une course assez longue. Une minute chaque tour, c'est en haut de 6 minutes et quasiment 8 dans le fond. De fait
dans cette course. On prend cette grosse butte que j'aime bien prendre. On continue ici à fond. On saute. Ça va encore bien. On tourne ici. Tantôt, difficulté, on coupe un petit peu le circuit. Ça m'a causé un petit problème, mais j'ai perdu du temps. Je tourne ici. C'est vraiment dérapant ici. Le grand derrière est vraiment très près. C'est pas faire d'erreur pour la fin. On y va ici rapidement. Et on saute. Ce petit saut ici est assez plaisant à prendre. Avec un petit scrub qui nous fait une bonne atterrissage de l'autre côté. On tourne rapidement ici. Il va à fond dans ce virage. Ça dérape justement. Ce circuit est assez glissant quand même. Pourquoi il est glissant comme ça? Mais il est glissant. Bon. La course qui tire à sa fin. Encore deux virages, je crois. Exactement. Un ici. Vraiment beaucoup. Un deuxième ici, long. Et ici conclut cette deuxième course au circuit du Materlé Basin et ce deuxième Grand Prix. Maintenant, on a gagné les deux premières, on a gagné ces deux courses en première position. Donc, on a 50 points. Gauthier Paulin en deuxième, qui est français. Il a fait un bon temps, comme vous voyez. Regardez le classement de ce tournoi. Je suis en première position. Et Antonio Caroli qui est deuxième avec 72 points, j'en ai 97. Bon, continuez maintenant. Bon, 51 en prestige. Donc, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Salut tout le monde, à la prochaine!